Bonjour à tous et à toutes, sur le c'est bienvenue dans la suite de Breath of Fire 2, où la dernière fois, nous étions en train de combattre hein, les forces démoniaques de l'église de Saint-Eva, qui se trouvait tout au-dessus en fait, si jamais le décor veut bien, voilà, me le permettre. Ça c'était Saint-Eva, on allait dans l'église pour combattre le méchant, on est monté en haut, alors évidemment il y a eu deux personnes qui sont mortes. En montant, la mère de l'âne est morte, en le protégeant, et en redescendant, en explorant un petit peu les catacombes, on a découvert qu'il y avait une personne qui était maintenue en vie et protégée par trois petits yeux robots, et le choix était soit de tuer tout le monde, soit de tuer seulement les trois yeux et de laisser en vie, ce qui change la fin évidemment, sauf que moi j'ai décidé que... le jeu il est un peu compliqué, donc j'ai tué tout le monde. Et en fait, il s'avère que c'était le père de Ryu. Voilà. Mais ça, on le sait pas. Maintenant, on sait pas qui était cet homme-là. Il y a un dialogue qui se déclenche, qui dure à peu près 15 minutes. On dit, oui, je suis ton père, souviens-toi. Quand on est venu voir le dragon, ah là là. Il s'est passé des choses, je t'ai dit de fuir, et puis je t'ai perdu. Et en fait, c'est l'église de Saint-Eva qui avait emmené son papa depuis le début. Voilà. C'était l'explication. Donc j'ai tué mon père. Maintenant, il y a aussi un truc que j'ai découvert, c'est que... à ce moment-là de l'histoire, si on retourne à la ferme, qui, si je ne me trompe pas, est ici. Si on retourne à la ferme, il y a un esprit, un chaman, qui a popé. Il faut le savoir, il faut le deviner. Et justement, après... ah, je crois que c'est lui. Si je me trompe pas, c'est lui. Et justement, dès que on a ce chaman, nous allons pouvoir commencer des trucs marrants. Dans ce jeu, il y a des trucs marrants, tels que fusionner des chamans sur les personnages. Ok. Ok, Ryu. Non, ça fait rien. Ok, très bien. Je peux peut-être passer le temps. Non, faut que j'aille dehors. Très bien. Et ben, j'ai perdu du temps. Pour rien du tout. Mais au moins, vous le savez. Alors, c'est quand même con, cette option de ne pas pouvoir utiliser jour-nuit. Dans une ville. Je trouve ça vraiment dommage. Et un peu bête. Après, est-ce que ça demande plus de ressources de la part de la machine et du jeu? Ce sont les questions que je me pose et qui pourraient avoir le mérite d'avoir une réponse. Est-ce que j'essaye de ne pas vous perdre en parlant et en disant tout et n'importe quoi? Sûrement. Bon, j'aimerais bien que... j'aimerais... oh, moi, j'aimerais bien que ça se bouge, là. Pourquoi ça bouge pas? Pourquoi le jeu, il me dit que je peux pas avoir cet homme? Je comprends pas. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je dois faire? Il y a un truc, là. Moi, ça m'énerve. Est-ce que le jeu est pété? Est-ce que le jeu est cassé? Je pose la question. Je sais pas. Ça, vous voyez, c'est encore des trucs qui m'énervent. C'est que je sais pas si j'ai fait un truc bien ou pas. Et ça, c'est énervant. J'ai bien perdu une minute à vous montrer ça, peut-être même plus. Mais il y a un truc que je ne vais... qui ne va pas vous faire perdre de temps, plutôt. C'est les fusions! Ah oui, allez. Alors, Nina. Alors, si je ne me trompe pas, si je vais par là-bas, voilà, à un moment j'arrive ici et c'est normalement de ce côté. Incroyable.
Oh là là, c'est beau ce qui se passe. Alors, du coup, là nous sommes dans la société. Voilà, ça s'appelle société, c'est chez nous. Alors, si je vais là, c'est ici que je vais pouvoir faire des trucs et des machins. Est-ce que je suis arrivé au bon endroit seulement? Absolument pas. C'était à côté. C'était tout à côté. Je me suis pris le mur. Génial. Alors, elle est là. Elle était juste à côté. Bien joué. Et c'est donc cette sorcière. Rappelez-vous, nous allons expérimenter des fusions d'âmes. Alors, non. Voilà, on va en faire une. On va fusionner. Alors, c'est Nina avec, si je me trompe pas, c'est le feu et celle d'eau. Des fusions. Ça marche pas? Ça ne marche pas. Pourquoi? Ça ne marche pas. Ça m'énerve ça. C'est le genre de choses que je ne comprends pas encore. Attendez, je suis sûr qu'il y a un truc que j'ai pas bien compris. Je vais recommencer. Hein. Donc, Nina avec. Ah oui, non, c'est moi. C'est le feu et le vent. C'est moi, je me suis trompé. C'est pour ça, c'est moi. J'ai mal lu. Regardez ça, ça va changer. Et donc, je possède une Nina boostée aux stéroïdes maintenant. Ouais. Alors, qu'est-ce qui change concrètement? Je ne sais pas. J'en ai aucune fiche tridée. Peut-être au niveau des stats. Ouais, je vois pas de différence. Mais maintenant, j'ai une Nina. J'ai une Nina vert. Voilà. Alors, il faudra que je vois pourquoi je n'ai pas l'esprit de la Terre. C'est un truc que je comprends pas. Et quand je comprends pas, ça m'énerve. Si c'est un truc qui se débloque uniquement si tu n'as pas tué ton père, franchement, c'est pas cool. Nina, elle a pas de sorte de téléportation, n'est-ce pas? Ouais. Et bah donc du coup, nous allons nous rendre dès maintenant, mesdames, messieurs, à Origine. Alors, faut que je retrouve où est Origine, cependant. Si on voit une parcelle de forêt brûlée, c'est qu'on est sur la bonne voie. Alors là, c'est... Alors là, il y a un personnage par là. Je vais voir, j'en profiter, voir si je peux aller le choper, du coup, ce personnage. C'est un personnage pété niveau 35. Hein. Alors... Ok, elle est encore sortie, donc je n'ai pas activé ce qu'il faut pour avoir ce personnage. Comment je le sais? C'est parce qu'il y a une petite marque sur le sol et il faut le voir. C'est un truc très 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 caché. Ah voilà, j'ai retrouvé où je devais aller. Alors, normalement, c'est par ici. Voilà. Alors, normalement, si je remonte de ce côté, du côté du continent ouest. Il est où? Il est où, Origine, là? Je l'avais. Il y a quelques épisodes. Ah bah c'est la meilleure ça.
comment ça se fait que je ne le retrouve plus? C'est énervant tout ça, hein, sachez-le. Attendez, il y a forcément un endroit que j'ai raté. Je me perds, hein, je me perds. C'est pour la beauté du jeu, évidemment. Mais comment je peux être perdu? D'accord, ok. C'était pas vraiment là où je voulais aller. Là, c'est brûlé parce que c'était la maison de la sorcière, ça d'accord. Ça, c'est une tour à la con. Qui m'a bien énervé d'ailleurs à l'époque. Alors, où que c'est que je dois aller? Ah, mais il est où ce village? C'est pas possible qu'il ait disparu. Aurais-je dû faire une carte? Sûrement. Une carte avec les noms des endroits. Et que je tourne en rond. Qu'est-ce qu'on s'amuse, c'est le fun, hein. J'aime beaucoup ça, moi. Ah, ça y est, je l'ai retrouvé. Il était où que je rigole? C'était là où je voulais aller depuis le début, mais non. Bon, du coup, c'est bon. Origine. Il fait pas encore très très jour, du coup on va passer un peu. J'espère que, en tout cas, cette petite balade vous a plu. Moi, je trouvais ça coolos. Donc, on est à Origine pour la suite des événements, si tout va bien. Et j'espère que tout ira bien. Vraiment. Sinon, ça va m'énerver. Alors. Je crois que je devais aller tout droit. Ah oui. Bonjour messieurs dames. Ils ont dit que le seul moyen de retrouver la forêt est de tuer le dragon. D'accord. Je me rappelle que quelqu'un m'a conseillé de ne pas si j'en ai là. Qui est-ce? J'en sais rien. Je ne sais pas qui te parle, monsieur dame. Nous avons posé une bombe pour tuer le dragon. Oh, c'est vraiment dangereux. Alors reculez. Mais non. Mais arrêtez. Mais faites pas ça! La bombe a été posée! C'est sur le point d'exploser! Ça va péter! Pourquoi je m'en doutais un peu, mais vraiment un peu. Je me disais, attends, si c'est fermé, c'est qu'il y a une raison. Ah bah là, la raison. Ah mon dieu, c'est la merde. Oh, qu'est-ce qui se passe? Avant nous, réveiller quelque chose de vraiment effrayant. Ah, je pense que nous avons fait une terrible erreur. Le dragon n'absorbait pas la vie de la forêt. C'était quelqu'un qui manipulait le dragon. Je l'avais paralysé. J'ai trouvé les gardiens qui protégeaient les villages. Le démon semble être apparu de la main du dragon. Le dragon est-il mort? Si c'est le cas, le démon réapparaîtra-t-il? Que voulons-nous faire? Au secours! Je panique! Je sais pas moi. Arrêtez. Ah, il est Jenny.
J'ai entendu dire qu'il y a une personne qui est très bien informée au sujet de dragon. Si je me souviens bien, son nom est Patty. Et elle parcourt le monde tout en commettant des vols. Vous me foutez de moi en fait depuis le début. Vous connaissez Patty? Ensuite ce sera plus facile. Si on peut la trouver Patty, elle sait tout du dragon en détail. Mais vous foutez de ma gueule. Mais vous êtes sérieux dans vos vies. J'en ai marre. Ça y est, c'est officiel. Ouf, quel changement de ton. Bon, et ben nous devons aller à la découverte de Patty, enfin la rencontre de Patty qui est. Oh, t'es sérieux? Oh mon dieu, ils ne peuvent pas y accéder à cause du démon qui a leur barre la route. Nina, tu es officiellement en congé. Sérieusement. Oh là là. Et ben écoute, Nina, qui est pourtant, bien gérée, va désormais se mettre en pause. Non mais Nina, je te dis casse-toi, tu sers à rien. Oh quoique. Mon petit Aspa, avant de faire une erreur qui pourrait te tuer. Voilà, comme ça on est sûr et certain que tout va bien se passer pour toi. Allez, maintenant tu vas nous servir, Aspa, grâce à la téléportation. Alors, c'est comment que ça s'appelle? Ça doit être ici. Je crois, hein, je suis pas certain, et je crois que j'avais raison de pas être certain. Effectivement, c'était pas là. C'était pas là du tout même. Je t'ai pas demandé de compter. C'était en bas, c'est ma faute. Ah oui, actuellement je joue avec une Solus, hein, je tiens à le dire. Pas envie de perdre du temps. C'est-à-dire que là, selon la Solus, il me reste 2 heures de jeu. En vrai, il doit m'en rester 4. Voire même 5. Parce que nous sommes sur une version française, rappelez-vous. Et la version française a des énormes problèmes. Au niveau du level up surtout. Bon, Patty, elle est où? T'as vu que ça m'énerve ça? C'est vrai que vous m'énervez beaucoup tous. Puis je crois qu'elle est pas au courant en plus que. Non mais. Quoi? Qu'est-ce que c'est que ça encore? Qu'est-ce qui se passe? Oh, j'en ai marre là. Bon, Michel le garde. Vraiment. Donc, vraiment, là, le jeu me dit débrouille-toi. Vous savez où elle est allée, cette idiote. Oh là là. Oh, faut que je remonte tout au nord à pied. Alors, que je me souvienne de l'endroit le plus proche. Capitaine, si je me trompe pas, c'est l'endroit le plus proche. Oh, je déteste ça. C'est-à-dire que je ne comprends. Et bah, c'était pas là du tout. Et bah, c'était juste à côté. Bah, vous savez quoi? Heureusement, maintenant je sais, hein, que je peux prendre le bateau. Aller-retour.
tu vas me laisser prendre le bateau, n'est-ce pas? Hein? T'es gentil. On prend le bateau, on va de l'autre côté. Tout va bien se passer, je vous assure, tout va bien se passer. D'ailleurs, on va se mettre l'end pour aller un poil plus vite. Il n'y avait pas une genre une forêt où, que je devais traverser. Ouais, si, c'est ça. Bon, écoutez, maintenant, ça va. Il y avait un crapaud, d'ailleurs. Qu'est-ce qui est devenu, Jean-Michel, le crapaud ou la grenouille ou je sais plus trop quoi, qui était là? C'était pas Aspa, d'ailleurs, la grenouille? Je sais plus. Non, c'était pas Aspa, c'était Jean-Mi. Comment il s'appelle, Jean-Mi? Alors... C'est parti pour ne pas se prendre tous les murs et aller là-haut. Oh là là, mais quel doigté dans l'exécution de ce droite-gauche. Alors pour ceux qui se demandent, on est à la caverne sauvage qui relie un autre endroit dont j'ai oublié le nom, qui est un restaurant. Normalement, ce restaurant, on n'est pas censé y aller au départ. Les rangers sont venus l'autre jour, nous n'avons pas pu les manger, ouais. Non, et en gros, on vous dit, nous on récupère les gens, puis on les mange. Sauf que bon, au bout d'un moment, si vous vous exécutez, vous faites manger. Son repas dans ce restaurant, elle a dit qu'elle a dit. Quoi? Quoi? Attendez, je suis en train de faire quoi là? C'est quoi le plan? Je comprends pas. Je suis en train de faire une espèce de quête bizarre où je dois aller rechercher quelqu'un qui se barre. On dirait la quête de Chang dans Tintin ou... Dans Tintin. Une tombe. Quoi? Une tombe... Une tombe. Quelle tombe? Attendez, laissez-moi réfléchir. Enfin, laissez-moi regarder la solution en même temps. Alors, attendez. Une tombe. C'est pas là où je voulais aller, ça, non? C'est pas là où je devais aller, surtout. Je crois que je me suis trompé d'endroit. Exactement, c'est pas là où je devais aller. Une tombe, mais qu'est-ce que... Putain, je comprends rien. Et je dois aller où après? Ah oui, la tombe, c'est bon, je l'ai. Alors en fait, la tombe... C'est ce que j'ai fait il y a un petit moment. C'est la tombe des voleurs. Voilà. Et en fait, dans cette tombe, et je crois que j'ai pris le mauvais chemin, en fait, moi, j'ai découvert le secret. Et elle m'a honteusement pris l'objet. Voilà. C'est aussi simple que ça. Et je vous... Oh, ça m'énerve. Je refais pas cet endroit, moi. La voleuse fantôme Patty, elle a entendu parler d'une nouvelle ville au sud d'origine. Et elle y est partie pour voler. Je pense que ça va m'énerver cette histoire. Ça m'énerve, sachez-le. JPP de ma vie. Voilà, je pense que c'est officiel. Voilà. JPP de ma vie, j'en ai marre. Oh là là. Donc il faut que j'aille à Origine, c'est ça? Je crois qu'il faut que j'aille à Origine. Pas certain, heureusement que Aspa est là.
Et en fait, je viens de faire un tour parce que je me suis dit, eh, si elle, est-ce qu'elle est pas en train de me voler? Parce que là, c'est concrètement ce qui se passe, hein. Alors que tout le monde rentre, voilà, que tout va bien, que moi je galère à comprendre pourquoi le chaman de la terre ne se montre pas. Peut-être qu'il fallait lui pisser dessus à un moment. Hein? Alors, où c'est qu'elle est? La C4, bon bah c'est pas ici. Ah, où c'est qu'elle est cette saleté? D'ailleurs, on est combien par étage? 3 ou 4? 3. Ça me semble pas mal, 3. Oh, excusez-moi, je ne fais que passer. Je te vois. Quoi? Vous avez brisé le sceau du dragon à portail? Vous ne pouvez pas faire ça, non? Vous ne pouvez pas! Je l'interdis! Merci de m'avoir appris sur le sceau du dragon, je dois me dépêcher! D'accord. Et du coup là je dois me retéper à origine. Hein? Dans une logique. Dans la logique des choses. Parce que moi je ne vois pas d'autre explication. D'ailleurs je vais dormir. J'en profite. Oui c'est splendide, hein, tu peux changer le... Oui. Non, j'aimerais alors non pas faire ça. C'est pas vraiment ce que je voulais faire. C'est pas grave. Mais au moins, ça y est. Terminé le jeu du cache-cache. C'est un jeu que je n'aime pas. Et Aspa qui a repris bah, toute son. Toute sa mana. Tant mieux. Tant mieux d'un côté. Bon, je vais aller sauvegarder. C'était pas là où je voulais aller. Bah attends, origine. Bon, c'était portail depuis le début. Je me trompe à chaque fois. C'est pas grandiose ce qui se passe. C'est pas grandiose du tout, ça je le remarque. Pas ouf. Pas ouf, pas ouf. Allez, oui, qu'ouvrez-vous du dieu dragon. Une sauvegarde, s'il te plaît. Allez, on y va. On retourne là où on est. Allez. Point de départ. Alors que, oh mon dieu, la musique, on l'avait presque oublié. Alors, on y va, sœur. C'est le jeu qui a freeze, merci. Badji est arrivé. Elle se tient juste devant le dragon. Il semble affaibli, mais il est toujours vivant. Le pauvre, il est tellement blessé. Bah, trois bombes en même temps. Je suis désolé. Nous pensions que le dragon était le démon. Vous n'avez rien à craindre. Le dragon est de notre côté. Oui. Oui. Au secours. Ne venez pas si près, humain. Qu'est-ce que c'est? Le dragon? Ah, est-ce que le dragon nous parle dans mon cœur? Non, peut-être. Quittez ce lieu immédiatement. Je suis le dragon protégeant ce sceau. Ma force est affaiblie. Le démon peut sortir de moi. Vous devez vous enfuir avant que cela n'arrive. Vous avez dit saut? Ah, qui est ce saut derrière la porte? Je ne sais pas ce que c'est. Il n'y a pas de doute, c'est le démon. Comme l'a dit le dragon, nous devrions partir maintenant.
Quelque chose ne va pas ? Père Hulk ? Oh mon dieu, cette révélation. Vous ne savez pas ce qui a été scellé ici ? Eh bien, je vais vous le dire, ces portes mènent à la route de notre dieu, notre saint Eva. Et en fait, j'étais le méchant depuis le début. Hulk, c'est parfait, vous avez détruit la grande église, mais vous ne pouvez pas arrêter la renaissance de notre dieu. Cela valait la peine de faire office de pasteur dans ce petit village. C'était beaucoup de travail de faire office de fondateur de Saint-Eva de prêtre de portail. Ryu, la maison de ton père était assez confortable. Je vais te battre. Cela ne fera rien de bon d'être furieux, Ryu. Ah, dès que les portes s'ouvriront, ce monde appartiendra à notre dieu. Et Patty, tu es la clé de la route vers notre dieu. Je n'ai pas l'intention de t'aider. Un imposteur de notre dieu. Coopération ? Tu ne comprends vraiment rien. Nous ne désirons pas d'aide pour l'ouverture de ces portes. Ce que nous voulons, c'est que Patty meure. Ces portes répugnantes ont été fermées quand le clan du dragon a piégé notre dieu. Il n'existe qu'une seule clé pour ouvrir ces portes. C'est la vie d'un membre du clan du dragon. Rends-lui des révélations de Vukeda. Nous avons échoué à tuer le dragon. Alors Ryu, Patty doit mourir. Mais Ryu paraît si fort. Il serait plus facile de tuer Patty. Maintenant, pour nous ouvrir la porte, Patty meurt pour notre dieu. Non, non, sauvez-moi. Non, je veux mon grand frère. Oh mon dieu, le dragon agit. Oh, le coup de bec. Hein? Tu es sur mon chemin? Tu n'as pas le pouvoir de combattre. Dragon, je ne te laisserai... Ah merde, je ne te laisserai pas la toucher. Oh, what? Comment oses-tu rester sur mon chemin? Je protégerai ce saut. Vous, fuyez vite. C'est le combat. Pourquoi toi? Tu vas aussi rester sur mon chemin? Alors fais-le, je te tuerai en premier. Et c'est le combat de boss. Excusez-moi, je suis en train de rigoler un petit peu parce que c'est un putain d'alien. C'est un alien. C'est très clairement un alien, alors que Nina, dans sa superbe robe verte, on dirait une variante color de Chun-Li. Et Aspa, mon petit Aspa, allez, serre à quelque chose, s'il te plaît. Fais quelque chose d'utile dans ta vie, Aspa. 93, c'est pas beaucoup. 32 magie. Ah, ça pique. 90, quoi? C'est nul. Mais c'est nul, ces dégâts. C'est moi ou je... Échec, mais c'est quoi? Oh là là. Oh, c'est pas bien ce qui se passe. Ok, bon. Alors. J'ai le dragon Kaiser. Hein. Autant être utile. Hein, et balancer une charge de dégâts extrême. Bon, froid, ça ne marche pas. On va essayer Flamme 2. Et Aspa, et ben froid, tiens. Oh, c'est beau. Ah, 82, mais en critique. Alors, ça draine de la magie, j'aime pas trop ça. Oh, là, ce dragon Kaiser. Il est beau. Donc là, un petit 999, si tout va bien. Incroyable, 999. On est au-dessus du 1000 de dégâts, donc ça va être compliqué maintenant. Oh, le coup fort à 110, joli. Bien, maintenant. Est-ce qu'il me reste encore des noix? Parfait. Eh ben, tout le monde va lui donner des noix. Quoique non. Laine d'attaque. Nina va lui donner des noix.
Et Aspa aussi. Là, je vais bourrer Ryu. Bon, il draine que Nina. Je le prends bien pour le moment. Alors pourquoi je fais attaquer que Ryu et Lend? Parce que c'est les deux qui ont le plus d'attaque. Bon, je pense que là, la puissance du dragon va être un peu diminuée. Nina... Quoique non, Nina, attends. Va falloir que j'expérimente des trucs aussi. Ouais, je vais expérimenter des trucs quand je pourrai, au niveau des noix et de la puissance du dragon en fonction de mes points de magie. Donc en fait, oui, ce combat, c'est juste du drain. Donc là, je suis à 40. Comment ça se passe? Ah ouais, c'est ça. Donc ça affecte bien la quantité de dégâts. Ça affecte bien la quantité de dégâts. Donc du coup, je pense que je vais rester sur les attaques à 40 de PM, finalement. Petit orage et Aspa va continuer avec les noix. Et heureusement que j'en ai beaucoup. Bon bah, joli combat, pas trop dur. J'ai compris la technique. Et j'ai appris quelque chose. C'est le plus important de comprendre un combat. Alors, il semble que la renaissance de notre dieu ait été stoppée. Je ne peux pas ouvrir les portes maintenant, mais le pouvoir de notre dieu est sans limite. Nous aurons plus de pouvoir, et le jour viendra où nous ouvrirons ses portes. Et quand il viendra, le monde entier s'inclinera devant notre dieu. Personne ne pourra l'arrêter. Il est contrôlé par le démon. Il a menti aux croyants, et il essaya de réveiller le démon avec la force de leur cœur. Tous, vous avez fait un formidable travail. Saint-Eva et ses créateurs sont partis. Ils ne peuvent plus envoyer leur pouvoir au démon, mais... Comme disaient les créateurs, le démon gagnera finalement de la force et il brisera les portes. Nous ne pouvons savoir si cela sera dans 100 ans ou demain. Mais le démon un jour se réveillera. De toute façon, pour l'instant, il ne peut plus se réveiller. Aussi longtemps que j'en aurai la force, je continuerai à protéger cette porte. Nous ne savions pas combien de temps le dragon peut le protéger. N'y a-t-il rien que nous puissions faire maintenant? Démon, allons le tuer, Pau. Ryu, tu es celui qui doit décider ce qui doit advenir du démon. Attendez. Pendant que le démon dort, ouvre ses portes à aller vaincre le démon. Il n'y a qu'une personne qui puisse prendre cette décision. C'est l'enfant élu, toi, Ryu. L'enfant élu? Maintenant, Ryu, mon élu, à toi de choisir. Si tu veux attendre, je continuerai à garder le démon dans son sommeil. Si tu veux combattre le démon, j'ouvrirai ses portes. Que vas-tu faire, Ryu? On va attendre. Est-ce réellement ce que tu veux faire? Oui. Cela va être le bon choix. Maintenant que Saint-Eva est parti, le démon a perdu la source de ses pouvoirs. Il ne sera pas difficile de garder le démon et va se sceller pour toujours. Et c'est... Et c'est... 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 C'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? C'était juste l'instant où Ryu libéra sa tension. Mais le démon devenait trop grand pour la mère dragon pour le sceller seul. Et je crois que j'ai la mauvaise fin. Et
Et c'est la mauvaise fin. Oui, c'est la mauvaise fin. Regardez, elle est là, la mauvaise fin. Même avec la force de Ryu, on ne pouvait rien faire contre les pouvoirs maléfiques qui balayeraient tout. Et l'histoire du monde sera jamais pétrifiée. Et ben voilà, et ben écoutez, fin du jeu, franchement, c'était franchement cool, c'était pas du tout ce que je voulais faire. Donc, vous avez devant vous la mauvaise fin. Alors, c'était pas le plan que j'avais prévu. Moi, je voulais juste attendre et revenir pour combattre le démon. Donc, voilà ce qu'on va faire. Cet épisode, je vais le sortir en tant que mauvaise fin. Ce ne sera pas la fin du jeu, fin du jeu. La prochaine fois, je vais faire la bonne fin. On va continuer le jeu, mais au moins, je sais ce qui m'attend. Merci d'avoir suivi cet épisode jusqu'au bout. J'espère que ça vous ait plu. Si c'est le cas, je vous invite à mettre un like, un commentaire sur la strat pour avoir le chaman. Alors que il se passe quelque chose, ça a bouclé, c'est normal. Alors, vous me suivez sur Twitter et Instagram où je suis le plus présent. Et à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater la sortie des vidéos tous les mercredis à 15h30. Merci à tous, bon jeu et à la prochaine pour la vraie fin, ou du moins la moyenne fin de Breath of Fire 2.